2022, déjà? Mais que espérer d'une nouvelle année? Vous avez certainement entendu, ça ira mieux. Vivement 2022, pour qu'on laisse derrière cette année. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui se passera en 2022, ou pour vous dire tout ira mieux. Mais je suis confiante, car le message des évangiles m'accompagne et me donne la certitude de ne pas devoir affronter ma vie toute seule. Je partage avec vous un texte très doux d'Anne-Christine Menu-Lecourt. L'espérance. Elle est la légèreté d'un papillon, la fissure dans le mur, la fleur qui perce le goudron, la fenêtre qui s'ouvre, la lueur dans l'obscurité, la colombe qui revient. L'espérance est devant. Elle ouvre l'avenir de manière inattendue à celui ou celle qui sait l'apercevoir. Elle est ce regard émerveillé, cet échappé de l'âme, cet évasement à plus grand que soi. Elle offre à discerner le sentier dans les éboulis de l'avalanche, de voir la vie dans l'aridité des pierriers. Elle est ce possible qui change le cours du monde, cette perle cristalline déposée sur l'onde. De son éclat jaillit l'aurore d'un jour nouveau. Alors, à vous toutes et tous, tous mes vœux pour une année 2022 remplie d'espérance. Que vous puissiez sentir sa présence pendant chacun des 365 jours à venir.